Hello à tous les loulous, c'est Programme Alteo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un site de statistiques sur tout simplement le football. Parce que le football, tout simplement, c'est un des sports que je trouve le plus rentable, moi, personnellement. Encore aujourd'hui, là, on a passé, et je l'ai donné en public d'ailleurs, Hoffenheim, qui a gagné 2-0. Tant mieux, puisque c'est exactement le score que j'avais prédit. Donc je l'avais donné encore un score 2-0. J'avais prédit donc Hoffenheim en DNB, c'est-à-dire en remboursé si nul, Hoffenheim en sec et Hoffenheim moins 1. Donc les 3 passes plus le correct score qui était coté à 8 sur certains bookmakers. Donc 2-0. Donc ça passe nickel avec un penalty en fin de match. Donc j'ai eu un peu de chance aussi. Mais ça fait partie des paris sportifs tout simplement. Donc vous pouvez retrouver ça aujourd'hui. On est le 18 si je me trompe pas. Donc le 18 janvier. 18 février, pardon. Et donc voilà, vous pouvez retrouver cette prédiction sur mon application, sur mon site et sur ma page Facebook, tout simplement. Donc on va parler aujourd'hui de Football 24. Donc ça s'écrit FUTBOL 24. Donc on va cliquer dessus, on va voir un peu ce qu'il en est, tout simplement. Donc vous voyez, vous avez la plupart des compétitions qui sont là. Donc nous, ce qui nous intéresse, on va aller, je vais en prendre un au pif hein, pour vous montrer. On va aller voir quoi? On va aller voir l'Angleterre. On va aller voir la première ligue. La première ligue, etc. Donc vous avez les résultats du jour, les résultats passés, etc., etc. Vous avez le classement, les prochains matchs qui vont arriver. Vous avez la comparaison des différentes équipes qui est là. On va regarder ça après. Mais moi, ce que je trouve intéressant sur Football 24 et que vous ne retrouvez pas sur certains sites, c'est tout simplement les statistiques par ligue. Et statistiques par ligue, ça vous dit quoi? Justement, ça vous dit les correct scores. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est pas quelque chose que je suis adepte. Je suis pas adepte du tout des correct scores. Je pense pas qu'on puisse faire vraiment des bénéfices sur le long terme à faire que des correct scores. Mais si vous voyez bien un score particulier lors d'un match, essayez d'étudier déjà si dans ce championnat, il y a souvent ce score-là qui arrive. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez le pourcentage en fait des half-time ou full-time. Donc le nombre de fois où en fait les locaux gagnent la première mi-temps et gagnent la deuxième mi-temps. Donc vous avez 30% de chances que ça passe. Nul mi-temps plus 1, donc c'est-à-dire les locaux, ceux qui reçoivent qui gagnent. Donc 16%, 12% match nul sur les deux mi-temps. 10% seulement pour match nul et l'extérieur gagne, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est très très intéressant pour ceux qui sont adeptes de ce genre de paris. De voir un petit peu justement sur cette ligue-là comment ça se passe. Aussi pour les over-under, donc vous voyez que en première ligue, il y a beaucoup plus de over que de under. Enfin beaucoup plus, c'est assez partagé quand même, puisqu'on a 54% d'over 2,5 et 46% de under. Donc voilà, c'est assez intéressant quoi. On a aussi les meilleures attaques et les meilleures défenses. Donc pas de secret, hein, on a Chelsea qui est très bien placé, de toute façon qui fait une saison. Formidable, hein, depuis que Mourinho est parti, c'est vrai que c'est une équipe qui est complètement retrouvée. Il a complètement flingué l'équipe l'année dernière, mais voilà. Bref, on va pas s'éterniser sur Mourinho. Je voulais vous montrer quoi d'autre? Je voulais vous montrer aussi le fait de comparer deux équipes. Alors là, j'ai pris deux équipes un peu au pifomètre. J'ai pris PSG et Monaco, tout simplement parce que c'est les deux qui sont candidats, on va dire, au titre cette année. Donc les deux se tirent la bourre avec un PSG qui monte en puissance avec un début de saison qui a été assez compliqué avec l'arrivée d'Emery, mais je pense qu'il a fait un très bon boulot et je pense que vraiment l'équipe passe à un stade supérieur. D'ailleurs, ils l'ont prouvé face à Barcelone. On va voir ce que ça fait en jouant au Camp Nou, mais s'ils arrivent à maintenir le score au Camp Nou, bravo à eux. D'ailleurs, les cotes sont tombées, j'ai vu ça. Alors le match, je crois que c'est le 8 mars, il me semble, un truc comme ça. Le match retour, c'est très intéressant de regarder justement les handicaps Barcelone, c'est-à-dire Barcelone gagne de 2 buts ou de 3 buts. On est sur des cotes qui sont très élevées, donc je pense que je vais mettre une petite somme dessus, puisque Barcelone a du retard,
Mais je pense qu'ils sont capables de battre le PSG, surtout qu'ils vont tout donner au niveau des buts avec Neymar, Messi, etc. Ils vont se dépasser et un petit Barcelone moins 2, je pense que ça se tente assez facilement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, voilà, donc PSG Monaco. Donc ce qui est pas mal sur ce site, c'est que vous avez bah, les résumés des différentes rencontres, enfin les résumés, les scores. Vous avez exactement bah, toutes les statistiques, combien de fois le PSG a gagné, combien de fois il y a eu égalité, combien de fois le PSG a perdu, et même chose pour Monaco. Vous avez les derniers matchs de PSG, donc à chaque fois Champions League, D1, les coupes, etc. Et vous avez bien sûr le over-under, où on peut voir que bah, justement il y a eu beaucoup plus d'over que de under. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Alors, football 24, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien résumé, c'est plutôt concis, il n'y a pas des tonnes de statistiques non plus par rapport à SoccerStat. Mais c'est vrai que si vous voulez regarder vite fait et comparer deux équipes, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien fait. Alors pour comparer deux équipes, j'ai fait comment? Compar-team, tout simplement. Là, vous choisissez l'équipe. Donc. Tiens, on va faire un petit... On va faire un petit Barcelone PSG. Spain. Et là, je vais comparer en France. Voilà. Donc, par contre, vous avez toutes les équipes et c'est pas classé par division. Donc, ça, c'est un peu dommage. Donc, je pense qu'ils ont mis ça dans FC Barcelone. CD. FC Barcelone. Alors, vous vous trompez pas, il y a Woman. Donc j'ai rien contre les femmes, attention, hein, mais voilà, c'est pas. Vos statistiques ne seront pas bonnes. Paris Saint-Germain. On va comparer les deux équipes. Voilà, donc vous avez l'historique avec bien sûr le dernier match. La dernière confrontation qu'ils ont eue, bah, il y a eu des euros pour le Barcelone. Et c'était chez eux, à la maison. La dernière fois qu'ils ont reçu, ils sont pris 3-1, etc., etc. Donc vous voyez, moi je vois bien une dynamique où en fait, bah, je crois que c'est le 8 mars, où Barcelone va rencontrer le Paris Saint-Germain. Je pense que PSG peut leur en mettre un, mais je pense que Barcelone peut gagner de 2 buts d'écart. Après, on va voir ce que ça donne par la suite. Mais je pense que c'est un prono qui tient la route. Je vais étudier un peu la chose, voir un peu plus de statistiques pour voir si je pose une somme dessus ou pas. Mais grosso modo, je pense qu'il y a une bonne value vu les cotes par rapport à ce prono-là. Je vois pas un Barcelone se laisser faire et se faire éliminer de la Champions League. Je les vois pas non plus gagner. Enfin, je les vois pas gagner, enfin passer tout simplement. Mais par contre, je les vois bien gagner le match. Donc voilà, je les vois pas laisser tomber les bras complètement. Je pense qu'ils vont vraiment tout donner. Si le coach arrive vraiment à les motiver, parce que apparemment ça a pas l'air d'être trop le cas. Barcelone, je les trouve pas hyper dedans leur dernier match. Mais bon. Ils arrivent à gagner, hein, parce qu'ils ont quand même des talents vis-à-vis de leur équipe, mais grosso modo, c'est très très. Enfin, c'est pas le même jeu qu'avant, je trouve. Donc les derniers résultats de Barcelone, donc on peut voir qu'ils ont foutu une branlée à Deportivo Alves. Atlético Madrid, vous voyez, dès qu'ils jouent contre une équipe qui est assez forte, bah voilà, c'est nul quoi. Atlético Bilbao, par contre, il est dégomme. Ils ont dégommé Atlético Madrid, mais bon, c'est en coupe. Et Real Betis, ils font 1-1. Donc vous voyez, c'est pas non plus des résultats faramineux. Après le PSG, il y a que des victoires et il y a juste contre l'AS Monaco où il y a eu match nul. Donc c'est pour ça que je trouve que vraiment l'équipe monte en puissance. Alors après on va me parler d'un match contre Guingamp, etc. Mais enfin bon bref, je trouve qu'ils sont plutôt au rendez-vous. Et ce qu'a réussi à faire Emery, c'est vraiment de pousser chaque joueur à bah, jouer complètement et jouer à fond. Alors je sais pas comment il fait, je sais pas comment il les travaille, mais tout simplement je trouve qu'ils donnent bien plus de leur personne que, et ça s'est clairement vu face à Barcelone, que les joueurs vraiment aller à fond, se replacer. Etc. Et vraiment donner de A à Z quoi. Ils n'attendaient pas simplement le ballon comme on pouvait voir l'année dernière
Les matchs du PSG étaient assez chiants, et là, ça part dans tous les sens. Donc, je pense qu'ils ont vraiment monté d'un cran. Voilà, c'était pour vous parler de football24.com. Donc, c'est un site qui est plutôt intéressant si vous voulez avoir pas mal de stats. Mais après, ce qui est très très bien, c'est le nombre de compétitions que vous avez. Donc, effectivement, si vous faites des paris sur un XBet, par exemple, où on a la pub ici, bah, vous avez tous les championnats, tout simplement, et possibles, imaginables. Donc, c'est vrai que trouver des statistiques sur le Costa Rica, voilà, la Copa Costa Rica, bah, vous avez tout, en fait. Vous avez juste à cliquer sur que statistiques. Et, bah, vous savez exactement, bah, le nombre de scores, le home win, les over, etc., etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, en France et dans les championnats européens, les home win, away win ont vraiment, de l'impact. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus de home win, c'est-à-dire que des locaux gagnent, que de away win. C'est pas parce que, et on l'a encore vu à Bastia Monaco, c'est pas parce qu'il y a une grosse écurie qui affronte une équipe, on va dire, moyenne, le fait de jouer à l'extérieur, ça change tout, quoi. Donc, on l'a encore vu, Monaco, combien ils se sont fait avoir avec Bastia Monaco 1-1, quoi. Parce que déjà Monaco n'était pas dans le match, ils avaient déjà des blessés et ils n'avaient pas envie d'avoir d'autres blessés contre Manchester City. Donc ils n'ont pas joué à fond. Il y a énormément de choses à prendre en compte. C'est pas parce que l'équipe a besoin de points que toutes les équipes ont besoin de points. De toute façon, je voyais les analyses de certains pour dire oui, Monaco va gagner. Bah, grosso modo, c'est Monaco a besoin de points face au PSG. Bah, je suis désolé, c'est pas une analyse. Toutes les équipes ont besoin de points. Bon, enfin, bon, bref. Tout ça pour dire que voilà, Football 24, si vous recherchez vraiment des statistiques bah, sur des championnats comme la Thaïlande, le Tadjikistan et la Syrie, ça peut être vraiment efficace. Ça peut vous donner bah, plein de statistiques vraiment sur les corps à score, etc. Donc, c'est plutôt bien. N'hésitez pas à visiter aussi mon site internet www.pronomateo.net. Vous aurez tous les résultats de mon VIP dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. C'était Pronomateo. Bye.